Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour y découvrir le col de l'Assietta. Vous avez pu découvrir lors des précédentes vidéos le sommelier et le Jaffro. Et là on attend Jaco et Nico. Okay, c'est bon, nickel. Nickel. Nickel, là t'es passé par la France en fait. Celle-là. Ça va, Jack, t'as les bonnes routes ? Ouais, ça va. Ouais. Pas trop long tout seul ? Non. Ce matin, il fait encore gris là, ça va pas être top. On va aller voir les gars à côté. Coucou. Ça va ? Ça va. Oui. Alors, on va où là ? Dans la brume. Dans la brume. D'un côté chaud ? On va au col de l'Assietta aussi, pareil, ils vont bien manger. On attend le chouchou. Mais il vient pas. On attend. Ouais, elle va être longue la vidéo du chouchou. Tu nous apprends, hein. Ah, chouchou. Et tout ça pour une locomotive. Ah, dans ce sens, la piste peut être prise de Sestrières ou des Sosses d'Oux. Elle se situe dans les Alpes. Jaco, tes premiers tours de roue avec des jeunes fougueux. Ah, c'est super, ils sont un peu fous pour moi, mais bon, ça va, je vais à mon rythme. On sort toujours pas de l'eau là, hein. Pour le coup, on a hésité quelques instants. Elle était là, sans bouger, à nous fixer. Pleure pas, j'ai les yeux mouillés. Et voilà, nous voici arrivés à la fin de la piste, au plan de l'Alpe, ou plutôt comme ils disent, Piam de l'Alpe, enfin je sais pas, quelque chose dans le genre. Voilà, on a passé 3 jours à Bardonecchia, c'était super cool et je vous conseille d'y aller. On se retrouve une autre fois, à bientôt.